Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment customiser ces petites trombones? Voilà. Et ces petites punaises. Voilà. Pour le premier tutoriel, il vous faudra un trombone, de préférence de couleur, mais si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Du masking tape ou du wash tape au choix. Donc j'en ai pris un avec des fleurs orange. Et une paire de ciseaux. Prendre un morceau de wash tape. Voilà. Comme ceci. Et donc vous coupez. Ensuite, vous allez prendre votre trombone et vous allez le tourner, donc il doit être dans ce sens. Et vous allez passer le washi tape à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre le trombone droit. Vous allez remonter le wash tape. Donc, il faut le tenir avec les deux doigts. Vous remontez le wash tape et vous le pliez sur lui-même. Hop là. Ça doit donner ceci. Donc, quand cela est fait, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime mieux le faire parce que ça fait plus beau, je trouve. C'est vous allez faire une petite entaille. Voilà. Donc le premier tutoriel et le deuxième tutoriel, il vous faudra une paire de ciseaux, une punaise et un rouleau de washi tape. Pour commencer, vous allez couper un morceau de rouleau du washi tape ou du masking tape. Voilà, pas un très gros morceau. Cela suffit. Ensuite, vous allez prendre la punaise et vous allez tout simplement coller washi tape dessus. Voilà. Ça doit donner ça. Et du coup, quand vous le retournez, vous voyez la punaise qui est accrochée. Donc, vous allez faire un rond un peu mal fait, on va dire, autour. Voilà. Voilà, ça doit vous donner ça, enfin, moi ça donne ça quand je fais un rond, on va dire un peu à la va-vite. Et vous allez tout simplement plier les bords. Voilà. Voilà, vous avez votre petite punaise. Donc moi, j'ai pris du masking tape avec des libellules. Donc voilà le résultat. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Celle avec le washi tape rayé ou celle avec la libellule. Voilà. Voilà. Voilà les filles, vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire des trombones customisés ou des punaises customisées. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine!